Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nejma Hamla, médiatrice culturelle au FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Regard sur une œuvre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'œuvre de l'artiste français Benoît Maire, intitulée Un détail et réalisée en 2019. Ce n'est pas le cas de celle-ci, mais plusieurs œuvres de l'artiste font partie de la collection du FRAC. Cette œuvre est installée sur les gradins extérieurs du bâtiment de la MECA, la Maison de l'économie créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine. Elle a été réalisée dans le cadre du dispositif du 1% artistique qui associe une création d'une ou d'un artiste contemporain à une création architecturale publique. Qu'est-ce que cache ce titre ? Le titre de l'œuvre, Un détail, joue sur la taille imposante de cette sculpture qui, au regard du bâtiment, semble finalement n'être qu'un détail. Pourtant, elle mesure 3,18 m de haut et ne pèse pas moins de 800 kg. C'est une sculpture creuse. Elle est faite en bronze patiné et en bronze poli qui donne un effet miroir et brillant. 5 parties ont été assemblées pour former ce visage masculin. Benoît Maire a créé cette œuvre monumentale avec l'aide d'un atelier de fonderie artisanale, la Fonderie des Cyclopes, proche de Bordeaux. 5 mois ont été nécessaires à sa fabrication. Qui est représenté ? C'est Hermès. Issu de la mythologie grecque, il est le messager des dieux et le dieu des voyageurs. De la racine grecque du mot Hermès, on tire le mot herméneutique, qui est la science de l'interprétation. Ici, la tête d'Hermès est coupée en deux. Une partie est visible en 3D, l'autre est plane, laissant se refléter l'environnement extérieur ou la personne lui faisant face. Pour compléter le visage, il faut laisser place à son imagination. C'est à celui qui regarde de faire le travail d'assemblage. De plus, l'observateur peut se placer de telle sorte que la tête semble coupée par le bâtiment ou dans son prolongement. Il y a un jeu de perspective qui se crée entre le bâtiment, la sculpture et le regardeur. Qui est Benoît Maire ? C'est un artiste originaire de la ville de Pessac, en région bordelaise. Il a mené des études en art et en philosophie, et il choisit d'allier cette double formation dans sa pratique artistique. Il cherche à donner une forme sensible à des concepts théoriques. Dans ses productions, il fait souvent référence à la philosophie, à l'histoire de l'art, à l'histoire, aux mathématiques ou encore à la mythologie. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Regard sur une œuvre. À bientôt et passez le message !